Pourquoi depuis tout à l'heure je t'appelle, tu ne réponds pas? Si, si, je t'ai appelé. Non, ne mens pas. Je t'ai appelé 5-6 fois au moins. Tu ne réponds pas, pourquoi? Tu faisais quoi? Tu es à la même place que ce matin. J'ai quitté le domicile. Tu es à la même place que ce matin. Tu n'as pas bougé. Tu n'as rien fait. J'espère pour toi que la vaisselle est faite. Hein. Parce que depuis je rentre du travail, je suis fatiguée. Toi, tu n'as pas bougé. Tu n'as rien fait. Tu ne sais rien faire. À part traîner sur ton TikTok. Hein. Je ne sais quoi. Tu restes affalé sur le canapé toute la journée. Tu regardes ton téléphone. Tu regardes la télé. Tu n'as rien fait. Même pas le ménage. Toute la journée, je rentre du travail. Là, je vais devoir encore faire à manger pour ta grosse tête. Tu as traîné, tu as fait quoi même? C'est quoi ça? Tu ne touches aucun livre, tu ne vas pas réviser les cours, tu regardes juste la télé, je ne sais pas quoi là, tu parles avec les garçons, hein? Et puis ça là, je t'ai demandé de le ranger ce matin, hein? Qu'est-ce qu'il fait encore au même endroit? Même un petit truc comme ça, tu n'es pas capable de prendre des rangers à sa place? C'est moi qui dois tout faire! Déjà je paye l'électricité! Je paye ton vieux téléphone là. Qui a acheté ça? Hein? C'est moi qui paye tout, qui fait tout dans cette maison. Et toi, tu n'es pas capable d'aller ranger un petit truc. Ta grossette là, on dirait araignée. Non mais c'est quoi ces malades enfin? C'est ça la génération d'aujourd'hui, vous savez?